Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous revoici au cercle du renouvellement constitutionnel pour continuer nos travaux de critique et d'analyse ici du préambule de la Constitution de 1946. Et Luc va nous présenter d'abord l'article 13 dont on va discuter par la suite. Luc, à toi. Merci Guillaume, merci bien. Bienvenue et bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, nous poursuivons donc l'analyse du préambule de la Constitution de 1946 intégrée au préambule de la Constitution, au bloc constitutionnel de la Ve République française, actuellement en vigueur. Donc je donne d'abord lecture de l'article 13. La nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Cet article assure l'égalité d'accès de tous vis-à-vis en premier lieu de l'instruction et en second lieu de la formation professionnelle. Cet accès est concrétisé par la seconde phrase, assignant à l'État l'obligation d'organiser un enseignement public, celui-ci étant gratuit, laïque et s'étendant du primaire au supérieur. On notera aussi que la culture voit son égal accessibilité garantie. Toutefois, là, aucune organisation, aucune gratuité n'est prévue. L'accès à la culture est donc possible à tout citoyen. Pour autant, l'usage effectif de celui-ci est en grande partie limité par la non-gratuité. Cette différence entre l'enseignement et la culture montre bien que l'essentiel est bien dans les détails. En spécifiant que l'organisation de l'enseignement public gratuit est un dû de la nation et que la responsabilité de sa mise en place incombe à l'État, cet article induit des effets concrets. A contrario, la partie organisation étant omise pour la culture, celle-ci est laissée au bon vouloir du législateur. Il demeure une simple déclaration d'intention. On relèvera deux points à propos de la culture. Premièrement, il est possible d'arguer que les médias audiovisuels publics sont accessibles gratuitement. Pourtant, l'absence de détails encadrant cet accès permet au courant idéologique dominant d'imposer la diffusion exclusive des thèmes culturels leur étant favorables. Et cela, sous les angles de traitement les plus favorables à leur agenda. Les stations de radio comme France Culture ou France Inter étant des illustrations archétypale de ce biais. J'aurais pu également citer Arte, bien entendu. Second point, par rapport à la culture. L'égalité d'accès à ces médias audiovisuels est devenue inégale. Par voie de conséquence, illégale. Puisque la redevance audiovisuelle n'est plus payé que par une fraction de la population. On notera qu'une fois de plus, le Conseil constitutionnel n'a pas bronché lors de cette violation manifeste de la Constitution. Voilà une illégalité dont l'association Recours Constitution pourrait se saisir. On attribuera donc un point de pénalité pour imprécision sur les modalités d'organisation de l'accès à la culture, induisant une inefficacité du principe énoncé par l'article 13 du préambule
de 1946. Voilà, messieurs, pour l'analyse que je vous propose de cet article. Et je vous laisse donc réagir, rebondir, peut-être ajouter d'autres éléments qui m'auraient échappé. Qui veut Parfait, commencer? merci beaucoup, Luc. Je propose peut-être que Christian commence, suivi de Jean-Charles. Christian. D'accord. Donc, je ne reviendrai pas sur des choses qui ont déjà été dites à propos de que j'ai déjà dit à propos de l'ensemble, hein, de l'esprit de cette de ce texte préambule à la Constitution de 1946 concernant son caractère extrêmement vague, hein, puisque j'ai même parlé de prêche religieux, hein, donc de préconisation morale ou éthique, d'une part, et d'autre part sur l'utilisation des mots, puisque là on a la nation qui garantit le libre accès, hein, et puis ensuite on a l'État qui met en place un dispositif. Alors moi, je ne comprends pas la différence qu'il y a entre nation et État, mais je ne m'étendrai pas là-dessus parce que ça, à moins que mes collègues souhaitent qu'on en parle et que dans cette première partie d'article, c'est-à-dire la première phrase où c'est la nation qui garantit, et la deuxième phrase, c'est l'État qui met en place un dispositif, à moins que mes collègues voient ici une différence. Bon, moi, je n'en vois pas. Et donc, à partir du moment où je ne vois pas de différence, je ne vois pas pourquoi on emploie deux mots distincts. Alors, moi, c'est un point de pénalité supplémentaire. Donc, je suis d'accord avec le point de pénalité de Luc, mais c'est un point de pénalité supplémentaire pour, disons, défaut sémantique. Voilà, c'est qu'on emploie des mots sans avoir tourné cette fois sa plume dans son encrier. Alors, après, il y a une contradiction, un schisme entre la première phrase et la deuxième phrase. Savoir que un schisme qu'a évoqué Luc, mais à mon sens, pas suffisamment profondément, je vais m'en expliquer. La première phrase dit que la nation garantit le libre accès à l'enseignement, la formation professionnelle et la culture. Et dans la deuxième phrase, on ne parle que de l'enseignement. C'est-à-dire que la première phrase, c'est un vœu pieux, dans la mesure où la Constitution ne prévoit absolument aucun. On a dit, hein, bon, il faut qu'il y ait des institutions, hein, pour que les valeurs qui sont énoncées, valeurs, institutions, normes, artefacts, qu'on connaît l'enchaînement, s'il n'y a pas d'institution, bon, mise en place, c'est encore plus qu'un prêche de curé, c'est presque une discussion de bistrot. Voilà. Bon. Donc. Alors, Luc nous a très justement dit qu'il y avait un problème à propos de la culture. Lorsqu'on a une phrase aussi puissante que « la nation garantit le libre accès à la culture », on veut savoir de quoi il s'agit. C'est extraordinaire, ça. La garantie que tous les citoyens vont avoir accès à la culture. C'est pas un mot. Donc, c'est plus qu'un point de pénalité. Je crois qu'il y avait des vétos, exclusion définitive, carton rouge. Bon. Alors, ensuite, il y a la formation professionnelle. La formation professionnelle également, qu'est-ce que c'est? La formation professionnelle également, il n'y a aucun dispositif dont on nous parle pour la formation professionnelle. Hein. La formation professionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est le libre accès de chaque individu en tant que travailleur, en tant qu'individu agissant économiquement, afin qu'il puisse monter en compétences, s'améliorer dans sa pratique professionnelle. Bon. C'est également extrêmement important, voire encore plus important que l'enseignement et les cultures. Bon. Et pas un mot. Donc, il faut frapper aussi très fort en termes de mauvais points sur ce plan-là. Et alors, je dirais, comme je suis un peu la théorie du complot, je dirais que c'est voulu. C'est voulu parce que derrière, bon, la culture, je pense qu'ils sont... Ils ne l'ont pas mis parce qu'ils sont devant un grand point d'interrogation. Ils ne savent pas. Bon, ils ne disent pas. La formation professionnelle,
Ils savent, ils disent, ce n'est pas l'État qui va l'organiser, c'est les patrons. Ah ben, faut le dire. Faut le dire, dans la constitution de Kosovo, faut le dire, la formation professionnelle, c'est les patrons. Bon, je vous rappelle que, sous l'Ancien Régime, enfin, au Moyen-Âge, hein, eh ben, la formation professionnelle était assurée, hein, par les artisans eux-mêmes, hein, donc le compagnonnage, le Tour de France, etc. etc. Voilà, bon. Alors là, bon, il n'y a plus de compagnonnage, il n'y a plus de Tour de France, il y a eu la loi Le Chapelier, etc. Et on parle de formation professionnelle dans une phrase, et après, c'est évacué. Donc, voilà, c'est une contradiction et une infraction extrêmement importante qu'il faut ajouter à celle concernant la culture. Très bien, merci beaucoup, Christian. Jean-Charles? Oui, bonjour. Il y a toujours dans nos commentaires, dans notre façon de lire, un niveau d'exigence que chacun attend, de la niveau d'exigence au niveau de la précision, etc. Et il y a toujours un gap entre le jugement de l'un ou de l'autre d'entre nous. Parce que, bon, on ne peut pas demander à un texte qui fait deux lignes d'être d'une précision extrême, de décrire dans le détail les moyens, les mises en œuvre, les procédures, etc. Ou alors, et on l'a déjà dit, ou alors il faut changer la méthode et envisager qu'un tel texte soit écrit avec une toute autre méthode. Donc, bon, là, c'est une chose que il faut dire quand même, souvent ça revient, on a toujours ces pénalités d'imprécision, etc. Voilà. Donc, à mon avis, il faut lire d'abord l'intention, déjà décrypter l'intention. Et c'est quand même le principal, puisque c'est quand même le but de tous ces articles, c'est d'exprimer une intention. Après, effectivement, on peut regretter que des moyens, des précisions ne soient pas apposées, mais encore une fois, c'est une question de méthode. Voilà. L'intention, pour ce que j'entends juger, comme l'article précédent, me paraît louable. Après, effectivement, on peut rentrer dans les détails. Donc, pour rentrer dans les détails, déjà, entre nation et État, sans discuter de nation, exactement de ce qu'est la nation ou de ce qu'est l'État, on comprend dans la façon dont c'est écrit que la nation est plus globale, on va dire, que l'État qui est plus organisationnel, plus attaché à la mise en œuvre, puisqu'on l'attache justement dans la deuxième phrase à l'organisation. Et la nation, c'est l'instance, enfin l'instance, la globalité, la collectivité qui émet l'intention. Donc voilà, dans le sens des poupées russes de sous ces termes, on voit que dans cette phrase, l'État serait quand même un sous-ensemble de la nation ou une expression différente. Voilà. Ensuite, bon, effectivement, quand on lit cet article, on se rend compte que on est loin du compte par rapport de l'intention à la pratique. Oui, on peut, d'ailleurs, Christian a bien décrypté un sous-texte qu'on pourrait imaginer sur la formation professionnelle, c'est bien de l'avoir souligné, mais c'est de l'interprétation. Il s'est attardé sur la formation professionnelle et la culture. Mais donc, ça veut dire que l'instruction, pour reprendre donc dans la première phrase, l'instruction, on l'interprète comme étant effectivement l'enseignement public gratuit et laïque. Pourtant, on s'arrête sur le fait que nation et État soient deux mots différents et on regrette que cette différence soit pas établie. Mais alors, pourquoi on utilise dans une phrase le mot instruction et on l'assimile facilement à enseignement public gratuit et laïque? Là aussi, on pourrait aussi faire des commentaires là-dessus. Et donc, là, apparemment, Luc et Christian concluent quand même que
l'instruction fait référence, enfin l'enseignement public gratuit et laïque étant en rappel de l'instruction, et même pour lui qu'apparemment de la formation professionnelle, et que la culture est à part. Bon. Ok, on peut effectivement le lire comme ça. Moi aussi, j'ai tendance à penser que l'instruction se rapporte à l'enseignement public gratuit et laïque, que la formation professionnelle, effectivement, il y a cette espèce de no man's land dans le fait que ça soit pas exprimé, mais on sent bien que formation professionnelle fait partie de l'enseignement, mais que peut-être, effectivement, il faut penser donc aux filières d'instruction via une reprise d'une partie au moins de ce flambeau par les patrons ou par des instances professionnelles. Ça peut être aussi des syndicats. Hein. D'ailleurs, les budgets sont prévus de cette façon et sont attribués partiellement aux syndicats, je crois. Enfin, bon, voilà. Et donc, la culture est à part. Alors, pour la réflexion de Luc sur l'illégalité, je n'ai pas bien compris. L'illégalité relève peut-être de le fait que la religion ne soit pas inclue dans la notion de gratuité, puisqu'on associe enseignement gratuit et laïque. J'ai pas bien compris. Enfin, moi, je veux préciser que dans le service audiovisuel public, puisque Luc s'est attardé à ce sujet, il y a sur France Culture des messes qui sont dites, des émissions sur l'islam, etc., sur Arte aussi. Fut un temps où sur les chaînes publiques le dimanche il y avait la déclinaison de ces intentions moins laïques, on va dire, enfin qui se préoccupent de l'expression religieuse. Ça existe, c'est une partie du mandat qui est. Et il y a aussi une émission des libres penseurs aussi sur France Culture le dimanche. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais fut un temps où elle y était. Donc voilà, j'aimerais que Luc reprécise l'illégalité dont il parle, parce que j'ai perdu le fil à cet endroit, je m'en excuse. Et qu'est-ce que j'ai noté donc? Oui, toujours cette histoire de hiatus entre les moyens, la grande intention et le fait que les moyens ne soient pas décrits. Mais franchement, moi, je ne m'arrête pas à ça parce que, encore une fois, la méthode ne le permet pas. Voilà pour l'instant ce que j'ai à en dire. Très bien, merci beaucoup Jean-Charles. À mon tour. Alors, en dehors de la problématique récurrente de la définition des mots qui fait défaut, nation, État, etc., et on pourrait même dire libre accès, moi, je ne serais pas aussi sévère peut-être que Luc et Christian sur cet article, et peut-être que je vais aller dans le sens de Jean-Charles, parce que si la première phrase dit « la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture », puis dans la deuxième phrase « il n'est plus mentionné formation professionnelle et culture », je pense que peut-être la clé de la réponse est dans l'égal accès. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir un accès équivalent à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Si certains peuvent se le payer de leur poche, eh bien tant mieux. Si d'autres ne peuvent pas, peut-être que là, la nation ou l'État peut compenser, peut aider à garder cet accès égal, d'accord, à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Donc on voit dans la deuxième phrase que l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque, lui, relève de l'État. Donc ça, c'est la première partie de la première phrase qui est confirmée dans la deuxième. C'est bien un devoir de l'État que de permettre ce libre accès à l'enseignement. Pour la formation professionnelle, eh bien, peut-être que, comme je viens de le dire, certains peuvent se le payer de leur poche. Ceux qui ne peuvent pas se le payer de leur poche peuvent bénéficier d'une aide de l'État. Et la même chose pour la culture. Je pense qu'il y a soit c'est sous-entendu que la culture est gratuite,
soit c'est sous-entendu qu'elle n'est pas gratuite, mais qu'elle est suffisamment peu chère, ou c'est sous-entendu peut-être que si elle n'est pas peu chère et pas gratuite, eh bien l'État vient distribuer des passes et des accès aux musées et aux autres choses de culture quand les gens ne peuvent pas se les payer eux-mêmes. Donc moi, c'est comme ça que je comprends l'égal accès garanti par la nation, c'est par le fait que la nation vient aider ceux qui n'ont pas les moyens personnels. La deuxième phrase ne me pose pas de problème. L'organisation de l'enseignement public, gratuit et laïque à tous et à tous les degrés, est un devoir de l'État. Je pense que c'est un bon principe. Encore une fois, peut-être pour aller dans le même sens que Jean-Charles, de mon point de vue, cet article, il met en avant des principes forts, des principes généreux, etc. Et puis, peut-être que le défaut, c'est que dans la réalité, non seulement ils ne sont pas appliqués, mais sont-ils même applicables? Moi, je pense qu'ils sont applicables, mais on peut se poser la question parce qu'évidemment, ils sont très, très, très généreux et très vastes dans la proposition, dans les principes qu'ils forment. Voilà, je pense que j'aurais rien d'autre à ajouter et je laisse Luc reprendre la main pour éclaircir la question de Jean-Charles et aller plus loin sur les commentaires qui ont été faits. Merci, messieurs. Bah, je vais commencer justement par répondre à l'interrogation de Jean-Charles sur pourquoi je pense qu'il y a une illégalité par rapport à cet article. Depuis que la redevance n'est plus payée, la redevance audiovisuelle, qui est un des moyens, je dirais quand même, assez important de diffusion de la culture par les services publics, depuis qu'elle n'est pas soit payée par tout le monde, soit payée par personne, eh bien, il y a un inégal accès. De fait, il y a ceux qui payent toujours la redevance et il y a ceux qui ne la payent plus. Et donc, l'égalité d'accès est rompue. C'est en cela que c'est illégal par rapport à cet article. Là, par contre, c'est tout à fait clair et net. Et donc ça, c'est ça, c'est juste ça la précision. Est-ce que c'est l'inégal accès ou l'inégale contribution? Parce qu'il me semble que tout le monde peut accéder. Bah, sauf que l'accès, il est conditionné au fait que tu aies un poste de télévision, de radio, de machin, etc. Et que tu payes la redevance, normalement, en fonction de justement si tu as un appareil. Et donc, tu as besoin de ces appareils, transistors ou autres, pour accéder. Donc, c'est vraiment une inégalité de fait. Et entérinée et validée sans aucune prévention par le Conseil constitutionnel. Mais je crains que le problème peut-être est pris peut-être à l'envers, parce qu'à ce moment-là, ça, implicitement, si vraiment on voulait respecter l'intention affichée, il faudrait que l'État, la nation, achète à chacun les appareils pour accéder à la culture, achète les livres, achète les télévisions, etc. Enfin, j'ai l'impression que le problème est posé un petit peu, peut-être on pourrait prendre le problème dans l'autre sens. Donc, et à ce moment-là, ça voudrait dire qu'à partir du moment où la culture est assimilée à un support audiovisuel et coûteux, donc, à ce moment-là, il faudrait que, ça voudrait dire que l'État se serait engagé, il ne l'aurait pas fait depuis le départ, à acheter à chaque citoyen les moyens d'accès à cette à la culture qui est censée être portée par les moyens audiovisuels. Donc, je sais pas, c'est quand même bizarre de parler de la redevance et de considérer. Enfin, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose dans le raisonnement. Prenons la radio. La radio, les radios X de telle marque, elle a le même prix pour tout le monde. Donc, tu as un égal accès de tout le monde à cette radio que tu pourras écouter France Inter ou ce que tu veux. Enfin, non pas pour écouter des fois ce que tu veux, pour écouter justement la parole publique de la nation. Donc, l'accès, du coup, il est égal de ce point de vue-là. Par contre, là où il y a une rupture d'égalité, c'est qu'il y en a qui vont contribuer à
financer ce service public, alors que d'autres ne vont pas contribuer. Et là, tu as une rupture des... Ah, non, une rupture du Guillaume. On a une rupture d'égalité. C'est en ce sens-là qu'il y a une rupture. Sinon, on pourrait imaginer effectivement qu'on paye un ordinateur à tout le monde, effectivement. Là, pour justement, mais là, c'est justement, on n'a pas parlé de gratuité. C'est pas comme c'est bien toute la différence avec l'enseignement, justement, qui lui est gratuit, fourni vraiment gracieusement par l'État. S'il y avait eu cette phrase qui concernait aussi la culture, et donc pour les choses qui sont diffusées par l'État, eh bien il aurait fallu effectivement, tu as raison, que l'État organise le fait de distribuer des postes de transistor ou des postes de télévision ou je ne sais quoi, ou des salles de visionnage, ou enfin, après, on peut imaginer mille choses, hein, mais organise cette chose. Et c'est bien là toute la différence que l'on voit entre l'État et la nation. Et je pense que tu l'as bien pointé, c'est un autre débat qu'on aura dans le glossaire, Jean-Charles, justement, parce qu'on n'était pas complètement en alignement sur cette définition de l'État et de la nation. On voit bien que tu l'as bien dit, là, hein, c'est l'État, c'est quelque chose de plus large, de plus global, or que... j'ai dit le contraire, la nation est plus globale que l'État. Ah, pardon, l'État oui, excuse-moi, organisationnel. Oui, excuse-moi, je me suis trompé, j'ai dit un mot pour l'autre, si la nation est plus globale, etc., et l'État est vraiment l'organe, justement, par lequel la nation agit dans la société. Et cet article le précise très exactement, et je pense que c'est quelque chose d'utile pour nos travaux, par ailleurs, sur le glossaire, d'avoir vu ça. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, je pense que ça, c'est... Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Christian, tu nous dis, ouais, la culture, c'est vide, etc. Moi, je dirais que c'est pire, hein, ce que je dis dans cette chose. C'est que, en fait, ça ouvre la porte à toutes les propagandes, en définitive, puisque c'est complètement laissé à la libre interprétation, hein, de ceux qui sont actuellement au pouvoir, de mettre ce qu'ils veulent dans les organes d'État. Si on fait un parallèle avec ce qu'il faudrait faire, nous avons un autre travail qu'on avait fait dans une autre association qui était la mise en place d'un institut de libre expression politique. Bien là, exactement, on aurait pu... Pardon ? Infrastructure de libre expression. Infrastructure, oui. Et donc qui permettrait justement d'organiser, de prévoir que justement ça soit général, et donc on pourrait imaginer, c'est un peu de même nature, or que là, on met tout et dedans, et du coup on fait passer un certain nombre de propagandes au travers de ces médias soi-disant culturels. Par exemple, Arte se propose d'être culturel, France Culture, ben c'est même dans son titre qu'on dit que c'est la culture qui est diffusée, or que c'est pas la culture générale, c'est vraiment la culture tel que les dominants actuels le prévoient. Donc c'est quand même tout à fait problématique, me semble-t-il. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Il y a un gap entre les deux lignes. Oui, alors moi je pense effectivement, enfin là je suis d'accord avec Guillaume, c'est dommage qu'il ait coupé sa caméra, moi je suis assez d'accord. Je ne suis pas sévère, hein, sur la partie enseignement, hein. L'enseignement, effectivement, répond, à mon sens, à l'instruction et à la formation. La formation professionnelle, en l'occurrence. C'est enseigner, c'est ce qui répond, justement, à permettre d'instruire les gens, à permettre de les former. C'est à ça que sert un enseignement. Donc, pour moi, il n'y a pas de... J'ai même pas été sévère, j'ai pas attribué de pénalité, là, non, au contraire, parce que moi, je trouve que c'est au contraire, c'est plutôt un des seuls points positifs, je dirais, justement, parce qu'on rentre dans les détails, parce qu'on est précis, et c'est peut-être là quelque chose qui est important, qu'a dit Jean-Charles aussi, c'est qu'en fait, c'est vraiment important d'être précis et d'être détaillé. S'il y a une leçon à tirer de ça, c'est qu'effectivement, il y a une méthode qui doit être sans doute différente. Mais c'est aussi et surtout que les constitutions doivent être organisées sans doute d'une façon différente. Moi, cette structure en article telle que c'est là,
article 1, article 2, article 3, moi je la remets très clairement en cause, et je pense qu'il faut que ça soit beaucoup plus structuré que ça, avec des thèmes, des choses comme ça, et en disant bah, pour telle institution, tel thème doit être adressé systématiquement, l'organisation, le fonctionnement, la mission, le principe, le périmètre, etc. Voilà, et ça est identifié comme tel, et pas simplement article 1, article 2, article 3, comme diraient les juristes. D'ailleurs, on a eu, sur la constitution impétissaire, on a eu des critiques à ce sujet, parce que justement, on n'a pas organisé en article 1, comme les juristes le font, c'est-à-dire d'un truc complètement à plat et imbitable, je dirais, quoi, quelque part, et qui ne facilite pas l'accès. Donc, à la fois une structuration différente, mais également un niveau de précision qui va jusqu'au niveau de détail nécessaire pour pas que ça prête à des interprétations, à des biais, ou sur pire, je dirais, à des gouffres dans lesquels les abus de pouvoir, l'arbitraire pourraient s'engouffrer. Voilà, je pense que j'ai répondu un peu à peu près et précisé ce que, par rapport à ce que vous avez dit. Donc on refait un deuxième tour. C'est dommage que Guillaume ne soit plus là. Bon. Les absents ont toujours tort. Si. Ah non, mais il a mis un message dans le chat. Il a mis je suis désolé, je dois partir. Mais il doit toujours partir. Ah ben, faut dire qu'avec le décalage horaire, c'est vrai que c'est pas facile pour lui. Bien. Christian, tu voulais continuer à commenter. Moi, j'ai autre chose à dire, mais vas-y. Ah ben, non, je peux passer après toi. Non, 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 vas-y. Je sais pas, on était dans quel ordre Bah, t'étais, c'est à toi, Christian. C'est à toi, Christian. Ouais. C'est à moi. Alors, Jean-Charles nous répète souvent, c'est pas une critique, hein, c'est une critique que je veux argumenter, c'est une critique en fait, oui. Jean-Charles nous dit toujours, mais on ne peut pas être précis, hein, voilà. La méthode ne le permet pas, et puis il a cette phrase que je trouve extraordinaire, c'est l'intention, c'est le principal. Alors, là, je crois que c'est très intéressant, ça, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, et ça me donne l'occasion de m'élever contre ça. Non, l'intention, c'est pas le principal. Parce que l'intention n'est rien. C'est-à-dire, c'est rien, l'intention. L'intention, n'importe qui peut avoir une intention après deux ou trois calvados. On est ici dans quelque chose qui s'appelle la Constitution, qui est la clé de voûte de tout le bloc législatif, le corpus législatif, qui réglemente par le menu, hein, nos actes quotidiens. Il y a 140 000 règles coercitives en France. Bon. Donc, on ne peut pas dire que l'intention, c'est le principal. Et le principal, c'est de savoir précisément ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Moi, pour moi, c'est ça le principal. Voilà. Donc, partir partir de l'idée que le principal, c'est d'énoncer dans la table supérieure des intentions, et que ça c'est satisfaisant, non, moi ça ne me satisfait pas du tout. C'est argumenté, Jean-Charles argumente ça en disant, mais vous voyez bien, on ne peut pas être précis, si on est précis, ça va prendre des pages. Et là, je réponds non. On peut être précis en très peu de mots. On peut être précis en aussi peu de mots qu'on va être imprécis. C'est-à-dire que je peux te faire une phrase imprécise avec 100 caractères, et je peux te faire une phrase précise, un article de constitution précis avec 100 caractères aussi. Donc, on va pas faire des travaux pratiques là-dessus, mais en tout cas, le rendez-vous est pris. Rentrer dans les détails. Parce que tu dis effectivement rentrer dans les détails, mais il ne s'agit pas de rentrer dans les détails. Il s'agit justement d'énoncer une directive précise. Voilà. Les détails ensuite, c'est des règles d'application, ils vont décoller tout seuls. Alors ensuite, la nuance entre État, nation, poupée russe, tout ça, bon, on ne va pas débattre de ça maintenant, puisque il est prévu qu'on en débatte dans nos réunions sur le glossaire. Bon, je me contenterai simplement d'un mot, c'est que nation, tel que je l'ai entendu
disons, définie par, par Jean-Charles, pour moi, c'est un ectoplasme. C'est un truc, bon, c'est une idée platonicienne, la nation. Bon. Alors, il y a une chose, par contre, qui est intéressante à propos de la formation professionnelle, qui est reprise aussi, enfin, qui part de la mise au point de Luc, qui dit, lorsque, dans la première phrase, on parle d'enseignement, moi, j'y mets dedans la formation professionnelle. Bon, alors, effectivement, pourquoi pas? Bon, c'est vrai que ça change tout. Si dans enseignement, il y a formation professionnelle, bon, donc là, on ne sait pas. On ne sait pas si... alors après, après, qu'est-ce qu'on constate dans la réalité? La formation professionnelle, c'est deux choses. C'est la formation initiale et c'est la formation continue. La formation initiale, qu'est-ce que c'est? C'est l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, il est aux mains des patrons, c'est des, c'est des sociétés, c'est des entreprises privées, c'est des SARL, hein. LSEC, HEC, X, tout ça, c'est des SARL. Voilà. Et puis, il y a un petit parcours universitaire gratuit, mais les patrons ne veulent pas. Donc, la formation professionnelle initiale, elle est entre les mains, disons, de l'oligarchie, économique. Bon, mais ça, c'est... bon, ça semblerait découler, ça semblerait, disons, infirmer le fait que, on reste, c'est vrai qu'on reste dans l'incertitude. Alors, le fait qu'on soit dans l'incertitude, bah, c'est encore un mauvais point supplémentaire. Voilà. Après, Guillaume nous dit, j'ai bien aimé son interprétation, parce que du coup, oui, il nous dit, mais si on n'a pas mis un dispositif étatique pour faciliter l'accès de tous à la formation professionnelle et à la culture, c'est que ça induit l'idée que l'État va pouvoir donner des sous à ceux qui... Bon, attends, bon, on peut tout induire, on peut tout supposer, effectivement. Et je trouve ça amusant, quoi. On peut imaginer, effectivement, mais bon, c'est vraiment... C'est même pas lire entre les lignes, c'est dire quelque chose qui n'est absolument pas écrit. Alors après, on peut dire ce qu'on veut. Guillaume nous dit ensuite, c'est moi qui ne sont pas là, il nous dit, ça me paraît être un bon principe. Mais attendez, mais le problème n'est pas là. On n'est pas en train de savoir si c'est un bon ou c'est un mauvais principe. C'est pas ça notre job. Ça, c'est, est-ce que c'est lisible? Est-ce que c'est cohérent? Bon, alors que ce soit bon ou pas bon, ça c'est un autre débat. Bon. Ensuite, il nous dit c'est pas appliqué. C'est pas un problème non plus. C'est pas appliqué. Évidemment, la deuxième phrase, l'enseignement laïque est gratuit, c'est faux. C'est faux. C'est pas gratuit. C'est pas le problème. Ça veut dire que la Constitution n'est pas appliquée. Mais ça, on sait. Mais il y a un recours aux constitutions pour ça. Donc le problème, il n'est pas là. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Et le fait que ce ne soit pas appliqué, c'est vrai. Ça n'est pas le problème, c'est vrai. Mais ça démontre que ce n'est pas appliqué. Pourquoi? Enfin, bon, ça pose la question, ce n'est pas appliqué. Pourquoi? Ben, c'est parce que ce n'est pas écrit précisément. Chaque fois que quelque chose n'est pas écrit précisément, vous verrez que c'est une... Bon, il ne faut pas l'appliquer. Voilà. Et puis, alors, je terminerai sur cette histoire de redevance. Bon, j'ai fait... Là, comme Jean-Charles, je ne comprends pas ce qu'il dit sur la redevance, mais bon, on peut en parler. Je ne vois pas en quoi l'idée du libre accès de tout le monde à la culture, il va y avoir un paramètre redevance audiovisuelle. Enfin bon, je ne voudrais pas en discuter de ça parce que ça va, je crois, nous éloigner de la colonne vertébrale. C'est central, redevance ou pas. De toute façon la culture, entre guillemets, enfin, la culture étatique, France Culture, France Télévisions, tout ça, ce n'est pas financé spécialement, uniquement. De toute façon, la redevance audiovisuelle, il n'y en a plus, du tout. Plus personne ne la paye. Là aussi, bon. Ah non, oui. Ah si, moi c'est je ça, la paye, bon, moi je la paye. Hein. Non, c'est supprimé. Enfin bon, bref. Moi je la paye. Non, mais. C'est supprimé pour tout le monde, mais bref. Ah non, pas pour tout le monde, justement. Alors, c'est le problème. Bon, enfin bref, C'est même une violation par rapport au code, parce que normalement, il y a aussi une égalité devant l'impôt. Oui, mais ça, c'est vrai, ça. C'est mais vrai. Ça, c'est pas de niveau constitutionnel, aussi. L'égalité devant l'impôt, oui, il y a des... Enfin, si dans le DHC, on a un article un peu là-dessus. On compte les États à faire en pagaille sur le principe de l'égalité, alors, qui est un principe constitutionnel haut de gamme, ça, l'égalité de tous dans la cour. Hein.
Je peux répondre oui, à l'intervention de Christian, puisque, bon, apparemment, je crois qu'il y a souvent une... lorsque je lis un article, je viens sur la critique d'abord de l'intention, qui serait le principal. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit à cet endroit-là. Mais je me mets dans le cadre... je regarde les gens écrire ces articles et on est là pour critiquer ces personnes. Donc, on les critique sur le fait que les choses soient pas précises, qu'il y ait plein d'interprétations. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Luc a dit avant ton intervention, Christian, sur la façon dont il faudrait changer de méthode pour écrire. Et d'ailleurs, je l'ai évoqué dans ma première intervention à ce sujet. Il y a toujours un problème, et souvent, j'ai dit que souvent, il y avait un écart entre la méthode et ce qui était écrit, les interprétations, et je l'ai dit. Mais lorsque je lis un texte, je sais que je lis un haïku, un sonnet, un poème, une nouvelle ou un roman. Je fais la différence. Donc là, je vois que ces personnes qui ont écrit cet article, je critique à la fois l'article, effectivement, mais aussi je ne le sors pas l'article des contraintes dans lesquelles il était censé être écrit. Donc ces personnes se sont mises à écrire un article avec une intention, c'est ce qu'ils ont réussi à performer, à faire ressortir de cet article. Et je constate que l'intention apparemment était le principal dans leurs préoccupations et l'expression de cette intention. Mais évidemment, je le sais, Christian, que ce n'est pas suffisant, que ça ne doit pas être le principal. Mais lorsque je lis un article de deux lignes, je vois ce qu'il en ressort. Il en ressort une intention. C'était justement l'intention de ceux qui l'écrivent. Donc, à partir du moment où l'intention est louable, comme je l'ai dit, on peut le noter. Donc, voilà. Donc, souvent, je me mets aussi dans la peau de ceux qui l'ont écrit. Et je regarde l'exercice qui leur a été donné à faire. Ils le font bien, ils le font mal, c'est une chose, mais je reconnais là qu'il y a une intention, elle est louable. Voilà. Mais je n'ai pas dit que un article de constitution devait se limiter à une simple intention, et je souscris effectivement à toutes les prolongations, les exigences qu'il faudrait avoir, le souhait de forme, de méthode, et là je me raccorde aussi à ce qu'a dit Luc sur le fait que on pourrait sortir de cette méthode pour être justement plus précis, etc. Donc voilà, ça c'est une mise au point. Ensuite, je n'ai pas dit explicitement là, ici, je l'ai dit dans d'autres sessions, ce qu'était la nation. Je regrette que tu dises que ma nation est un ectoplasme. Je suis désolé, mais c'est pas quelque chose de très plaisant. Je ne reviendrai pas sur ma définition de nation. On y reviendra une prochaine fois. Et je ferai en sorte que tu oublies les fantômes. Voilà. Bon, enfin, voilà. Et ensuite, qu'un principe soit bon ou pas, il est difficile, chacun n'a pas ta façon quasiment mathématique de concevoir le droit, ou l'écriture juridique, constitutionnelle, etc. Et encore une fois, tu peux constater qu'il y a souvent des jugements de valeur qui sont en fond de nos discussions. Nous ne sommes pas des robots, des machines. Nous avons aussi, nous sommes inspirés dans nos commentaires par des gestes un peu de jugements moraux, etc. Et tu ne t'en prives pas non plus lorsque tu qualifies ma nation d'ectoplasme. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas bien. Voilà, donc toi aussi, tu émets des jugements moraux. Tu dis que interprétation, tu dis que, je ne suis pas très bien, Guillaume, sur tout ce qu'il a pu dire sur les financements ou l'aide que pourrait donner la nation dans le cas où on n'aurait pas les moyens, etc. Je ne vais pas dans son sens, j'ai trouvé ça un petit peu pas tout à fait carré dans sa façon d'exprimer les choses, je m'en excuse, Guillaume, mais enfin bon.
Mais tu critiques la façon que Guillaume a pu chercher à interpréter. Mais toi, tu ne t'empêches pas d'interpréter, lorsque tu parles de formation professionnelle, c'est toi qui nous as parlé, du patronat, etc. Donc toi aussi, tu lis entre les lignes et tu te permets effectivement de lire entre les lignes et d'apporter des choses qui ne sont pas écrites, comme tu le dis si bien. Donc là aussi, je conteste un petit peu ta façon d'opposer des arguments à d'autres, mais parfois il y a deux poids, deux mesures. Voilà, voilà pour ma réponse. Alors, je vais vous proposer quelque chose, messieurs, si vous en êtes d'accord, parce que je ne souhaiterais pas que nos échanges toujours courtois le demeurent. Je pense que je vais me permettre de conclure, si vous le voulez bien. Chacun a pu s'exprimer, nous continuerons cette discussion hors antenne si nécessaire. J'essaie de faire une synthèse de ce qui vous oppose. Parce que je suis en train de lire quelque chose qui m'intéresse, je travaille sur une notion de quatrième voie, et il y a des gens qui ont travaillé sur les notions de troisième voie, notamment Muammar Kadhafi, qui a écrit le Livre Vert. Et dans ce Livre Vert, il en appelle à la loi naturelle, aux coutumes, aux traditions, où les lois, effectivement, ne sont pas écrites, où ce sont justement les intentions, le culturel qui va faire qu'une notion va être acceptée ou pas. Et il précise que les sanctions sont justement quasiment absentes, sauf les sanctions morales dans ce type de société. Et ça peut aussi faire mal, mais il n'y a pas de sanctions du type prison ou de choses comme ça. Alors il peut y avoir des sanctions plus radicales en même temps. Mais c'est, et ça, ça me fait écho à ça, qui s'oppose. Donc ça, c'est un volet. Et des sociétés, il y a plein de sociétés qui ont fonctionné comme ça, hein, qui fonctionnent encore de cette façon-là. Et d'autres, il y a une autre conception qui est celle où on doit être écrire, et donc notifier précisément ce qu'il y a dans la loi, ce qui est autorisé, ce qui est interdit de faire. Et je crois que, c'est pour ça que je propose ça comme conclusion, ce sont deux notions en fait que l'on retrouve s'exprimer au fond d'une façon, pas forcément comme je l'ai dit là, mais quelque part qui infuse chez Jean-Charles ou chez Christian, ou chez moi-même aussi, enfin chez parmi nous tous, entre ces deux visions de ce qui est légitime ou pas de faire dans une société. Voilà, je propose que nous en restions là, si vous en êtes d'accord, et nous continuerons le débat hors ligne. Merci.